reborn. Chaos reborn. Bonjour frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes de retour sur Nuance Reborn, notre chaîne officielle, pour voir des choses qui donnent froid dans le dos. Ah. Une femme a été attrapée en train de faire la sorcellerie en plein mariage. Vraiment. Si ça n'a pas été filmé, vous ne l'aurez pas cru. Je vais vous montrer ça. Mais avant, attendez que je vous explique ce qui s'est passé. Pour que quand vous allez voir ça, vous puissiez comprendre facilement. En fait, pendant le mariage, une femme est apparue. Vu la manière dont elle était habillée, tout le monde pourrait dire, sans même risque de nous tromper, que elle faisait partie de la famille. Du marié ou bien de la mariée. Maintenant, elle arrive et elle trouve le marié et la mariée en train de danser. Ouais, non, les deux sont en train de danser. Et pour s'incruster dans le show, dans la fête, qu'est-ce qu'elle fait? Elle aussi, elle se met à danser. Elle danse. Et à un moment donné, elle va faire comme si elle veut faire un travaillement sur elle. Genre comme si elle veut prendre de l'argent pour jeter sur la mariée ou quoi, ou bien le mari. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va juste prendre le billet et elle va continuer à danser. Elle danse comme ça. Elle danse comme ça. Elle danse avec le billet. Ouais, non. Pendant ce temps-là, elle guette la mariée. Elle attend la belle opportunité maintenant pour faire la sorcellerie. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Vous allez comprendre pourquoi je vous dis que c'est la sorcellerie vis-à-vis. Souvent, quand je vous parle de sorcier, certaines personnes commencent à comprendre, Dieu merci. Sinon, ça serait grave. Hein. Elle prend le pied, là. La grand-mère, là, la vieille mère, là. Elle prend le pied, et puis elle vient autour de la mariée. Et puis elle fait comme ça. Elle fait un cercle, une fois. Elle fait un deuxième cercle. Ou elle se prépare à faire maintenant le troisième cercle. Le photographe. Il a sauté sur elle, bloqué sa main en même temps. Il l'a repoussé. Comme si c'était un ange de Dieu qui était venu pour empêcher sa sorcellerie. Quoi? Mais j'hallucine ou quoi? Oui! Oui! Oui, je viens de voir ça. Je viens de voir ça, c'est ce que je vais vous montrer. Vous serez choqués. Et vous allez comprendre ce qu'on appelle la sorcellerie vis-à-vis. Venez, 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 venez. Prenez votre tabouret, asseyez-vous à terre, on va bien causer. Hein? Prenez votre tabouret, regardez, regardez. Eh, Seigneur, tout se passe ici. Tout ce que je vous explique là, tout ce que je vous explique là, se passe là. Regardez très bien cette image. Est-ce que vous voyez? Où vas-tu, mon ami? Regardez très bien. Est-ce que vous avez repéré la sorcière? Avez-vous repéré la sorcière? Suivez la flèche. Suivez la flèche. Suivez, ça, suivez cette flèche. Ça tombe sur sa tête. Doum! En mettant la mariée ici. Le mari est là. Et le mari ne se doute pas de ce qui se passe derrière le mari. Il ne se doute même pas de ce qui se passe. Pour lui, c'est le show et tout ça. Mais, le caméraman, avec le photographe, il a vu clair de cette histoire, regardez. Vous voyez, non? Il est venu la bondir sur la femme, la repousser. Seigneur mon Dieu. Hein? Comment est-ce que le photographe a su ça? Je peux dire que c'est Dieu qui l'a utilisé. Et peut-être que lui aussi, il savait que la sorcellerie existait. Il sait que la sorcellerie existe. Et ça a révélé les cieux. Ça lui a révélé les cieux. Vous voyez, non? Maintenant, quand vous allez voir la vidéo, vous risquez d'être étonné. Venez, venez, venez. Regardez. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez quelque chose?
Regardez très bien cette scène-là. Regardez très bien de vous-même. C'est parti. La femme, elle est ici. Elle est juste là, ici. Vous la voyez, non? Juste là. La sorcière, là. La voilà qui est ici. La mariée, c'était qu'elle là. Et l'homme est ici. Et c'est la danse. Elle se fait semblant de danser avec eux. Elle fait semblant de danser avec eux. Et tout à coup, elle lève la main comme si c'était en fait comme un mouchoir dans la main. Et elle vient. Et elle tourne une fois. Deux fois. Ouh, elle est tournée troisième fois. Troisième fois. En même temps, le gars est venu. Quand vous regardez là, ça. Est-ce que ça a l'air mystérieux? Non. Ça a l'air simple. C'est normal, il n'y a pas de problème. Mais, regardez très bien. Je vous laisse bien regarder. Regardez très très bien. Maintenant que vous savez, regardez très bien. Regardez là. Une fois. Deux fois. Regardez encore. Vous allez bien regarder. Regardez, regardez, regardez. Mes frères et sœurs, l'homme est méchant. L'homme est sorcier. Regardez, vous allez le voir. Vous allez le voir, ça va revenir. Là, il continue à danser comme si de rien n'était. Mais voici comment ça a commencé. Regardez très bien. Elle est ici. Elle s'approche. Elle passe la même fois. Deux fois. Troisième fois, le gars est venu l'arrêter. Parce que c'est un hasard. Les gens ne connaissent pas à faire. Non, les gens ne connaissent pas à faire. Les gens ne connaissent pas à faire. Mais le photographe, lui, sait. Il sait. Regarde très bien comment c'est incrusté. Regarde comment c'est incrusté. Quand elle est arrivée, elle s'est positionnée juste là. De toutes les personnes, surtout dans la salle, quand tu veux pas aller danser les gens, c'est avec un mari que toi tu es venu danser. Bonne question. Bonne question. Pour attraper les sorciers, faut se poser les bonnes questions. Pourquoi elle est arrivée là? Pourquoi est-ce qu'elle regarde la mariée? Pourquoi est-ce qu'elle regarde la mariée? Et comment se fait-il que le marié n'a rien vu venir? Regardez encore. Elle arrive. Elle se met à danser et elle passe la même fois. Deux fois. Trois fois. Ouh! Qu'est-ce qui se serait pas-t-il passé si elle avait passé la même trois fois? Et le gars, regardez, le gars, il est là. Hein? Il ne sait rien. Il ne sait rien de tout ça. Moi, c'est des gens qui sont devenus riches. Et ils ne savent rien de ce que c'est que la sorcellerie. Ils ne savent rien de ce que c'est que le diable. Quand vous leur parlez de ce genre d'histoire, ils vous disent, oh, voilà. Laissez-nous tranquille, avec votre histoire de Dieu. Jésus, c'est pour les vieux. Oh, c'est pour les vieux, nous sommes jeunes, laissez-nous nous amuser. Mon frère! Si tu ne sais pas qu'elle est sorcière dans le pays, là, tu seras surpris un jour. Faites attention. Faites calme attention. Le mariage, là, c'est une bonne chose. Toutes les femmes veulent se marier. Parce que c'est comme une bénédiction. Et c'est une chose qui va créer la joie. La joie dans votre cœur. Une fois que la joie se crée à partir d'un événement, il faut absolument que le diable et ses sorciers viennent pour détruire cette joie, détruire cet événement. Ou transformer cet événement en une histoire tragique. Tragique. C'est là que vous allez voir, genre, la mariée, elle a bien dansé son mari. Dès qu'elle rentre dans la chambre, le premier jour, elle s'endort. Hein. Le matin, elle ne se réveille plus. Elle dit, mais ah, qu'est-ce qui ne va pas? On regarde où elle est morte. Mais qu'est-ce qui l'a tué? Ah, c'est le monsieur qui a sacrifié sa femme ou bien c'est quoi? Il faut accuser le monsieur d'avoir sacrifié sa femme. Il va dire, je suis innocent. Je n'ai rien fait, laissez-moi. Les gens vont dire, oh, on s'en fout. Tu as sacrifié ta femme. Non, 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 c'est pas moi, je ne l'ai pas sacrifié. Les gens s'en foutent. Je vous dis. Si vous, les jeunes gars, vous êtes là en train de vous balader dans la couche à toi et que vous ne priez pas, hein, et que vous n'êtes pas éveillé pour pouvoir voir les tactiques et les techniques du diable, hein, vous serez dans le problème à un moment donné. Les gens sont méchants. La sorcellerie,
n'aime pas la joie. La sorcellerie n'aime pas le bonheur. Et donc, vous avez dit, ah, comment se fait-il que la femme, là, elle soit venue comme ça, en jouant, en train de danser et tout ça? Mais c'est vrai. Quand l'ennemi vous attaque pour vous empêcher de vous marier et qu'il échoue, je vous ai déjà dit ça ici. Je vous ai déjà dit ça. Beaucoup de personnes ont cru que c'est blague, non? Quand vous parlez ça, vous pensez que c'est blague. Mais Dieu, monsieur, certaines personnes ont dû comprendre. Je vous dis, quand les sorciers, je réponds bien, quand les sorciers vous attaquent et ils vous empêchent de vous marier, et que malgré les attaques, ils échouent et que vous arrivez à vous marier, gens comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont revenir. Ils vont se revenir encore. Et cette fois, ils vont revenir le jour du mariage. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux, ils vont s'habiller comme des gens aussi qui sont venus pour faire la fête. Pour enjoy, pour s'enjailler. Mais donc, pendant ce temps-là, ils vont continuer à faire la sorcellerie. Là. Ils vont continuer à faire la sorcellerie. Là. Si il y a un rang où les gens sont là et puis ils vous apportent des cadeaux, là, eux aussi seront dans le rang, eux aussi vont vous apporter des cadeaux. Mais le cadeau, c'est un cadeau empoisonné. C'est un cadeau envoûté. Ne laissez aucune personne de confiance entrer dans votre chambre, là où les gens font la nuit de noces, là le gars, le mari et la femme vont se coucher pour la première fois là, après le mariage là. Le tra là. Souvent les gens font la sorcellerie dessus. Quand vous finissez de dormir dessus le matin, toi madame, prends le tra là, va laver le tra. Ne laisse aucune personne dans la maison, que ce soit ta servante ou quoi que ce soit, toucher à ça. C'est toi qui dois le faire. Surtout le premier jour. Parce qu'il y a des sorciers qui attendent de vous finir. Vous dites que c'est fini, le mariage est fini, on a célébré, on a bien enjoy, on a bien, c'est bien jaillé, on a bien dormi. Le matin c'est levé, c'est tranquille, oh, tu es tranquille, tu dis que c'est fini. Même après ça, les sorciers sont derrière vous. Ça veut dire que la femme qui est là, elle a des sorciers derrière elle. La personne visée, c'est la femme. Ce sont les sorciers qui sont derrière la femme, qui l'ont suivi jusqu'ici. Et cette femme, vieille femme que vous avez vue là, elle, c'est elle qui a répondu présent. Oui, elle est revenue pas derrière. C'est elle, hein. Regardez bien, regardez celle-là. Ça veut dire que dans le monde des sorciers là, le diable a posé une question, il a dit, qui est-ce que je vais envoyer pour venir attaquer la mariée le jour de son mariage? Elle a dit, moi je suis prêt. Et comme elle a dit, oui, je suis prêt et je suis capable de le faire même physiquement. Voici comment le diable l'envoie ici. Donc cette personne-là, c'est l'ennemi de la femme, aller jusqu'à demain matin, jusqu'à arriver demain matin, pour même pas sa misère. Hein. Même pas ta misère. C'est ici là, on n'y fait pas deux fois. Il y a des gens qui tuent leurs meilleurs amis. Les meilleurs amis qui sont morts là. Cet ami qui est mort là, si on lui demande de revenir et de marcher avec cet ami qui l'a tué là, il va jamais le faire. Il va dire jamais. Parce qu'il a vu. Vous voyez ça? Ça, c'est la sorcellerie vis-à-vis. Elle arrive à cette position-là. Elle regarde bien la mariée et le mari. Elle regarde bien les gars, les deux. Et elle danse. Elle danse pour pouvoir, genre, s'incruster. Voilà, elle danse et elle s'approche un peu, petit à petit. Elle fait un pas, deux pas. En même temps, elle regarde avec ses yeux spirituels la mariée pour voir où l'attaquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez être en train de regarder à gauche ici. Et puis elle, déjà avec ses yeux spirituels, elle sait que votre esprit est là. Donc en même temps, elle cherche à vous frapper ici. Là, vous ne voyez pas. Mais Dieu voit tout le monde. C'est pourquoi il a envoyé le photographe à l'homme qui est venu l'arrêter. Vous pouvez faire quoi? Arrêter son action. C'est pourquoi il faut prier pour que les anges de Dieu aient la force comme ça de venir faire votre combat. Si vous ne confiez pas votre mariage à Dieu,
ou vos affaires actuelles. Vraiment, c'est ce choix. Vous regardez ici, vous croyez que vos amis sont là alors qu'ils sont là, là. Ils sont ici. Derrière, où vous ne les verrez pas. Regardez, regardez ça. Regardez comment elle était incrustée. Ça, c'est la sorcellerie vis-à-vis. Là, je vous montre la pose même vis-à-vis. Elle s'approche toujours. Regardez, ici, elle est ici, où elle est ici, la go, là. La Vemero. Et puis, toujours, ce sont les gens. Les gens qui sont, genre. Je ne sais même pas comment vous expliquer, même. Vous ne pouvez pas vous douter que ces gens puissent mener les sorciers. Mais regardez. Elle approche, elle lève la main une fois, deux fois. Et non, non, quand j'ai vu ça, ça m'a touché. Ça m'a touché. Il dit, la manette doit la faire passer sa main là une fois, boum, deux fois, boum. Ça dit, ça c'est la pure sorcellerie. C'est la pure sorcellerie. Waouh, c'est la sorcellerie, les gens disent ça. Ça, c'est la sorcellerie hein, des Africains. Ça, c'est la haute mamaï, la haute sorcellerie. Ouais, attendez, regardez bien, regardez très bien, regardez bien. Et regarde, et regarde. Une de toi, passe la main une fois, passe la main deux fois. Passe la main, ouh, impossible. Le gars est venu. Il est venu, il dit c'est pas possible. Oh, qu'est-ce qu'il obéit toi? Qu'est-ce qu'il obéit toi? Vous avez vu ça? Et le mari, il ne se doute pas de ce qui se passe. Hein. Peut-être que pour lui, bon, c'est normal, c'est la fête. Et la femme aussi. Bon, elle pense à un fair play, elle se dit que c'est son show, c'est sa joie. Mais ma soeur, c'était la mort qui était là. C'est la mort. Ça, c'était la mort. La mort. Les gens sont comme si je ne voulais pas, les gens ne se posent pas des questions. C'est comme ça, ça se passe. Mais ça a l'air simple. Ça a l'air très simple, non? Ça ressemble à quelque chose de tellement naturel. Et puis, ce qui est mauvais, les papas, hein, elles restent encore là. Regardez les gars, sa tête ici, là. Elles restent encore là. Hein. Et puis, elles regardent encore. Et elle cherche encore comment faire pour pouvoir frapper. Elle ne va pas. Hein? Elle est là. Hein? Qu'est-ce qu'ils se disent en ce moment? Qu'est-ce que les gens se disent en ce moment? Ils se disent que tant que vous êtes sur pied, ils seront toujours derrière vous. Tant que vous n'êtes pas dans la tombe, ils seront là. Même étant dans la tombe, comment votre esprit va partir. Ils vont pousser votre esprit là. Ils seront à vous. Donc vous, ne rigolez pas les sorciers. Priez et faites très attention. Surtout en période de fête. Quand il y a les fêtes là, tout le monde dit quoi? On dit, oh, c'est la fête. Nous sommes là pour se mettre zo. On est là pour s'enjailler. Quoi? C'est ça. Pendant que tu t'es amusé là, le diable se dit, ok, c'est l'opportunité, c'est la meilleure opportunité. C'est l'occasion, oui! C'est la dernière opportunité, il faut agir. Et il est prêt à se lancer. La chose la plus grave, c'est que dans ce genre de situation, le diable invite des gens, c'est-à-dire il appelle plein de personnes. Des gens de votre famille, comme les gens de la famille de la mariée. Comme dans cette situation. Et il pose des questions à ces gens. Qui est-ce que je peux envoyer afin de venir faire ce travail-là? Et aidez-moi. Je suis prête. Mais la personne, dans certains cas là, c'est-à-dire pour certaines personnes, la personne qui lève la main pour dire moi je suis prêt là, en général, ce sont les gens proches de ces gens là, ces gens de la famille. C'est-à-dire toi par exemple, pour te combattre, le diable dit qui est-ce que je vais envoyer sur le terrain afin d'aller combattre cette personne. Maintenant, malheur pour toi si ta maman est sorcière, ou bien ton papa est sorcier, ou bien ta soeur est sorcière. Si c'est ta soeur, elle va dire moi je suis prête. Je suis prêt pour le combat. Comme lui et moi, on s'attend bien et qu'il m'aime bien là. Je pense que moi, je serai bien placé pour faire le boulot. Pour l'éliminer. Et quand il vient sur le terrain, ils sont sans pitié. Regardez. Regardez. One fois. Two fois. Regardez bien. Regardez bien. Alors que vous dansez, le diable ne danse pas. Ils ne sont pas attaqués.
Et c'est exactement ça. La gloire de l'homme là se trouve sur lui, surtout sur la tête. On dit quoi là? On dit quoi par rapport aux femmes là? Qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport aux femmes? Par rapport à la tête des femmes. On dit que, genre, les cheveux qui sont sur la tête là, c'est ce qui est censé représenter leur gloire. Hein? Donc, qu'est-ce qu'elle était venue prendre? Tout le bonheur qu'elle allait avoir dans le mariage là, c'était ce qu'elle était venue prendre. C'est-à-dire que au lieu que le mariage ce soit un bonheur, ça va devenir un problème. La femme va rencontrer tant de problèmes. Quand, avant que tu épouses la fille, elle ne tombait pas malade. Mais depuis que tu l'as épousée là, elle tombe malade ou sur maladie. Maladie ou sur maladie. Tu dépenses ou tu dépenses. Tu te dis, mais ah, la fille n'était pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ce qui est mauvais, c'est que l'homme, les hommes ne prient pas souvent. Ils sont là tout le temps. Comment on va devenir multimilliardaire? Comment on va se faire de l'argent? Mais pour les choses les plus simples, ils ne connaissent pas ça. Que Dieu vous ouvre les yeux. Que ça, là. Que cette vidéo vous permette d'être très vigilant. L'homme est très méchant. Parce qu'il est possédé des chats. Faites attention à vous. Waouh, c'était extraordinaire. Merci les frères d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir ce bon pavillon bancaire, la description se trouve un lien. Vous pouvez cliquer là-dessus et télécharger une note où se trouvent toutes les informations bancaires. Que Dieu bénisse les frères et sœurs. Prenez soin de vous et soyez prêts pour la prochaine vidéo. C'est parti.